Tiens, tiens. Là, j'ai une demande assez particulière. Ça vous dit qu'on se fasse un bon hamburger maison? Vous êtes prêts? C'est parti! Voyons voir ce qu'on a. De la laitue, des oignons, de la viande, du fromage et bien évidemment du pain burger, des tomates et des œufs. Et bien sûr, les épices qu'on va prendre pour agrémenter notre burger, c'est de l'autre côté. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients auxquels on a rajouté du poivre et du sel, c'est le basique en termes d'assaisonnement. Vous pouvez mettre d'autres épices que vous appréciez. Moi, je pars sur le plus simple. Poivre, sel, huile. Vous êtes prêts? On y va. Je vais hacher ma viande. Non, c'est trop bien quand tu as le matériel qu'il faut, quoi. Tu peux cuisiner tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Vous êtes prêts? Donc là, on a notre viande hachée. Donc à notre viande hachée, on va rajouter du poivre, du sel et puis un œuf. Bon, je vais prendre juste le blanc. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, on va faire des boules. Donc cette boule, on va l'aplatir. Ça, c'est amusant, vous pouvez le faire avec les enfants, ils vont adorer. Je vais rajouter un filet d'huile, pas beaucoup. Voilà, l'huile est bien chaude, je rajoute ma viande. Attention. Voilà. En retenant, c'est beau. Regardez-moi ça, comment c'est bien doré. On va passer maintenant à la découpe de nos légumes. Donc, des tomates qu'on va faire en rondelles. Je vais prendre une seule tomate. C'est un seul burger. Ensuite, l'oignon. Donc la peau, on ne garde pas la peau. Ouais. On enlève. Moi, c'est juste ma technique pour aller vite, quoi. Voilà, j'enlève la peau. Je découpe avant d'enlever. Maintenant, le burger. Voilà. Je prends ce morceau-là que j'ouvre bien. Voilà. Ensuite, le fromage. Maintenant, les légumes. Donc, oignons, tomates, et puis vous refermez. Vous pensiez que c'était prêt, hein? La dernière étape avec un de mes chouchous, cet appareil-là, il est magique. Avec lui, on n'a pas besoin de se salir avec le charbon. Vous avez envie de griller du poisson, vous avez envie de griller du poulet, vous avez envie de griller même des légumes. Voilà, vous utilisez cet appareil-là, il grille des deux côtés. Donc là, je vais rapidement griller mon hamburger, 2-3 minutes, et puis c'est bon. Donc là, j'ai rajouté la laitue en fin de cuisson. Vous voyez comment c'est beau. Maman. Ah, celle qui a commandé le burger est là. Je vais le lui remettre. N'oubliez pas, c'est une recette à reproduire avec, bien évidemment, les appareils électroménagers smart technologiques. Ça facilite la vie, donc pourquoi s'en priver? Allez, à bientôt!